Tutaweza kumjulisha kwamba mmeona waskari polisi waskari wamerudia wenye kucheza kupiga ngoma na muziki na tumejua wanakuja tena kuweza kumbele ya president Felix Tshisekedi wataweza tena kumpa heshima ya mara ya mwisho kwa sababu imeonyesha kwamba sherehe imekuwa kumwisho kama vile tuweza tuliza kutujulisha bwana kusema wakati wamepiga ile trumpet wamepiga ngoma. Trot! Aligné! Main! Gardez! Vous! Au centre! Présentez! Arme! Musique! Au chef de l'État! Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Plus rien à vos ordres. La cérémonie des séjours. Merci à tout le partenaire de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Nous pensons ici à Vlisco, Vlisco RDC. De la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Magistrat suprême, grand cordon des droits nationaux et chef de l'État, ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. Avec votre autorisation, nous demandons aux membres de la Cour constitutionnelle de pouvoir gagner leur place. Les journalistes femmes de la Radio-Télévision nationale congolaise, merci donc. Présentez Oh là là, Serge. L'ordre de sortie des invités. Le stade de Martyrs de la Pentecôte. Oui, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame sont les premiers à quitter simplement parce qu'ils doivent recevoir leurs invités dans la salle de banquet du Palais des Peuples. Il y est prévu
un cocktail dînatoire avec les invités des marques, les chefs d'État, avant de clôturer la fête par le centre financier. Donc, le président de la République rentre au palais du peuple. Et de là, il attend tous ses invités. Ils vont sortir à tour des rôles. Ils vont faire pour partager des convives. Et par la suite, il y a des chefs d'État qui pourront rentrer déjà, parce qu'il y en a qui ont prévu de rentrer après ce repas présidentiel au palais du peuple. Mais d'autres vont continuer. Voilà le chef de l'État dans sa Jeep. Une Jeep décapotable, n'est-ce pas? Avec un ouvrant au-dessus, il est en train de saluer justement et dire au revoir à cette masse imposante de la population qui est venue l'ovationner ici. Voilà le président de la République, il est dans cette, en train de saluer la population, en train de dire merci en même temps. C'est une façon de dire merci, de témoigner, c'est sa reconnaissance, sa gratitude envers ces Congolais, ces milliers de Congolais qui ont renouvelé leur confiance en sa personne, en les hissant à nouveau à la magistrature suprême du pays pour ses deuxièmes quinquennat. Il a dit vraiment qu'il va corriger les erreurs du passé. Il mettra tout à son pouvoir pour corriger tout ce qui n'a pas marché lors du premier quinquennat. Et cela va s'appliquer grâce à ces six engagements qu'il a transformés, les six engagements qu'il a tenus au long de la campagne. Oscar, venez. Je voulais quand même, venez, Oscar. Je voulais quand même terminer ce reportage. Hein. Nous voudrions quand même terminer ce reportage en rejoignant cette grande équipe technique et QET au niveau du quart de reportage. J'espère que J.R. Diakiadi, René Nguangu et Loubou, Robert Nzuzi Ngoï ne vont pas couper l'antenne tout de suite. Je suis en train de me rendre, hein. Je me dirige vers là où vous y êtes, parce qu'on doit savoir, on doit quand même avoir une idée. S'il y a une caméra qui peut nous prendre, on doit quand même avoir une idée. Une idée sur ces héros à l'ombre, héros dans l'ombre, qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour que ces belles images et ce bon son vous arrivent chez vous, à la maison. Regardez, je suis bien dans ce quart de reportage. Je suis dans ce quart de reportage avec l'équipe technique. René Nguangu, je vais momentanément occuper votre place. Regardez, tout est parti d'ici. Ces images qui vous ont été transmises en direct à partir du stade et de Martyrs, où que vous soyez à travers le monde, vous étiez certainement très content du travail abattu par la radio-télévision nationale congolaise pour vous proposer en live les temps forts. Mieux, ce reportage à quelques détails près sur tout ce qui s'était passé ici au niveau du stade de Martyrs. L'équipe technique est là. Merci, hein, je salue Maxime Androgois. Les images que vous aviez vues du départ du président de la cité de l'Union africaine jusqu'au niveau du stade de Martyrs, c'est Androgois qui a réalisé ça. Des belles images filmées par Masela Meda et Médard Moubenga. Très bon travail, merci. Également très bon travail à partir du stade de Martyrs. À partir du stade de Martyrs, ce reportage sur l'investiture du président de la République est parti. Regardez, ils sont là. Il y a Godet qui est là au niveau du son. Il y a Jacques qui est là, qui était là au niveau de tout ce qui a eu comme duplex et ralenti. C'était Jacques qui a fait ça. Et certainement que Robert Nzuzi Ngoï et J.R. Diakiadi sont quelque part. Regardez, c'est l'héros dans l'ombre. Héros dans l'ombre, c'est René Nguangu Elubu. C'est lui qui était au four et au moulin pour vous proposer tout ce qu'il y avait et comme image et qui arrivait à partir. Et qui avait quoi, comme image et qui arrivait à partir de chez vous, à la maison. Grand était pour nous le plaisir, très chers téléspectateurs, comme on en a l'habitude de le faire, de vous retransmettre en direct ce reportage à partir du stade des Martyrs. Toute la grande équipe était là. Nero, merci Nero. Eugène Loutoula, notre caméraman diaspora, il est venu de Bruxelles uniquement pour cette grande cérémonie d'investiture du président de la République. On a toute l'équipe technique, la sécurité, les protocoles, tous les services et également
grand merci à toute l'équipe de l'RTNC Oscar Mbahal. Merci, merci à vous tous qui nous avez fait confiance. Merci à tous les héros dans l'ombre. Merci de nous avoir suivis. Nous devons devoir donc rendre l'antenne. Merci donc, la RTNC est là pour vous servir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.